Monsieur le maire, aujourd'hui, vous avez fait une mobilisation de toute la communauté pour s'engager pour la lutte contre le Covid-19 à Saint-Louis du Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet engagement communautaire? Je vous remercie d'abord, vous, les acteurs de la presse, pour cette mobilisation massive autour de la rencontre d'aujourd'hui. Rencontre qui a vu la participation de quasiment toutes les notabilités de la commune de Saint-Louis. Les notabilités religieuses, la présence de l'imam Ratib de Saint-Louis, Atiyan Diallo, la présence de Mgr Ernest Sambou et tous les autres acteurs économiques, les responsables des marchés, les responsables des transporteurs, les responsables des jeunes à travers le conseil communal de la jeunesse et à travers l'ODECAV, les quais des pêches de Saint-Louis au niveau de la langue de Barbarie, les Badjanougor, les artisans, en résumé, l'ensemble des responsables, en tout cas à fort potentiel de peuple ou de personnes autour d'eux, pour une question urgente, une question alarmante, qui est la progression de la pandémie à l'échelle de la commune de Saint-Louis. Nous avons tous constaté que la pandémie gagne du terrain, non seulement à l'échelle nationale, mais surtout au niveau de la région de Saint-Louis, et plus particulièrement au niveau de la commune de Saint-Louis, du district de Saint-Louis. L'acceptation par les populations de l'application de ces mesures barrières est une parfaite, en tout cas, difficulté qui doit être enrayé, qui doit être en tout cas réglé. Il n'est plus question qu'à l'échelle de la commune que nous rencontrions des Saint-Louisiens, des citoyens Saint-Louisiens sans masque. C'est inacceptable. Et pour nous, maintenant, c'est toute la population qui doit jouer le rôle de la police. Ce rôle de contrôle n'est pas uniquement l'affaire de la police, c'est l'affaire de tous les citoyens. Et il faudrait que nous tous, chacun à son niveau, puisse veiller à la mise en œuvre effectivement de ces messages forts. Et en tout cas, moi je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, l'heure est à la remobilisation fondamentale, une remobilisation forte et sans relâche. La maladie, elle est là. Nous tous, nous pensions que c'est une maladie qui allait rester que pour quelques jours. 4 mois, 5 mois, 6 mois après, elle est toujours là et elle est toujours forte. Maintenant, cette force-là, à nous de la mettre en œuvre pour combattre cette maladie. Et c'est tout à fait possible d'y arriver. Et je pense qu'avec l'implication de tout le monde, nous allons parvenir à vaincre cette coronavirus qui est en train de faire, en tout cas, des ravages à l'échelle nationale. Il y en a qui pensent que c'est une maladie honteuse et qui restent chez eux. On n'en connaît pas le nombre. Une chose est sûre et certaine. Moi, je dis souvent à des amis que nous sommes à plus de 20% en tout cas de taux de contamination. Ça dit, ici à Saint-Louis, je ne serai pas surpris quand on me dira qu'il n'y a pas 1000 cas, puisque c'est tout à fait possible. Il y a des porteurs asymptomatiques, des porteurs sains qui diffusent la maladie. Il y a des personnes atteintes et qui restent chez elles sans sortir parce qu'ils pensent que c'est une maladie honteuse. Donc les chiffres, pour moi, en tout cas, les véritables chiffres, nous ne les connaissons pas. Ce qui est important, c'est faire en sorte que cette maladie-là puisse, en tout cas, être dégagée de notre espace communal, de notre Sénégal, du monde entier. Et c'est ce qui explique, en tout cas, ces missions, ces messages en destination des populations, des messages en termes de gestes barrières, pour que cette maladie-là puisse en tout cas être vaincu. Aujourd'hui, ce que nous devrions pouvoir faire, c'est faire en sorte que la maladie s'arrête, puisqu'on n'a pas les capacités pour accueillir les personnes en tout cas souffrantes de cette maladie. C'est impossible. C'est ce qui est arrivé donc aux pays européens, en France, avec les milliers de morts, en Espagne, en Allemagne, parce que le système sanitaire était débordé. Les malades qui arrivent à un certain niveau ont des problèmes respiratoires.
Mais les appareils qui aident à respirer, mais ce n'est pas des appareils qu'on a à foison. C'est des appareils qui sont disponibles à très faible nombre. Et c'est ça la difficulté. Donc, le mieux, c'est d'éviter de contracter cette maladie. C'est la première action à réaliser. Éviter de choper cette maladie. Si on ne la chope pas, on ne va pas à l'hôpital. Si on ne transmet pas le virus, on ne va pas à l'hôpital. Il faut que les jeunes arrêtent d'aller dans des endroits, choper le virus et les transmettre, donc contaminer les parents. C'est ça la réalité. Les plages, il faut arrêter les plages. Il ne faut pas aller vers des plages. Le terrain de sport, il faut arrêter. Et je pense que les jeunes doivent s'impliquer dans la diffusion des messages, dans la sensibilisation, dans la conscientisation. Je pense maintenant, certains, comme il n'y a pas, en tout cas, donc de navetane, que les jeunes doivent être mis en contribution pour aider les populations, la communauté, donc à faire plus de sensibilisation.